Si tu dirais si je te proposais quelque chose de... encore plus payant? Ah ouais? Ouais. Ça serait quoi? Good! Ça, c'est le spirit. Merci. Ouais. Moi, j'ai des magasins aux States. Alors, tu vas pas y faire faire des pick-up, là? C'est bien trop dangereux, puis il a pas d'expérience, il est pas prêt, là. Pourquoi tu dis ça, Manu? Hein? T'as pas confiance en ton ami? Yann, ça a l'air d'un bon gars. Intelligent. Est capable de faire ses propres choix. OK. C'est quoi, des pick-up? C'est simple. tu vas voir mon associé aux States. Il va te donner une valise avec mon argent. Tu ramènes la valise chez nous. Voilà. Pas compliqué. Je te donne 7 000 par voyage. Tu t'arranges comme tu veux. Si tu te fais pogner, c'est tes problèmes. T'as juste à pas te faire remarquer. Pourquoi je peux pas y aller avec Manu? Ah! Ben Manu... Manu, il s'est déjà fait arrêter ici, hein? Il y a un casier, puis ça, tu vois, ça fait des grosses, grosses, grosses lumières rouges aux douanes. Hein? Mais... toi, t'es clean, t'as rien du tout. T'as juste à dire que t'es allé faire du tourisme. Je sais pas, t'inventes n'importe quoi, là. C'est vraiment pas compliqué. Puis, je peux t'y aller avec quelqu'un qui a pas de casier? Non, ouais, tant que tu te fais pas pogner. Yeah. Sois cool. Reste cool. Tout va bien aller. $7,000 c'est de l'argent, tu sais. T'es pas couvert là-dessus, là. Ça, c'est pas couvert. Ben, c'est pas ta juridiction, là, tu sais. Tu parles pas aux douaniers à tous les jours au téléphone, là, tu sais. C'est vrai. C'est ça, le risque. Il y a un risque. Il y a $7,000. Je sais, si j'ai pas le choix, man, faut que je rembourse la dette, tu sais. C'est la première fois que tu l'avais à ton party? Tu vois-tu qu'elle avait l'air cool? T'es nerveux, t'apparaissais. Ben, moi, je trouve qu'il est en total contrôle.